Répondez, commissaire Gordon. On nous signale un cambriolage chez Wentec. On rapporte des rires et un gaz vert. Ça me fait penser à quelqu'un. Je suis déjà en route pour l'île de Stryker avec notre suspect spécial. Appelez l'inspecteur Bullock, il s'occupera du cambriolage. À vos ordres, chef. À vos Metropolis. Oh, il fait toujours beau à Metropolis. Franchement, il n'y a vraiment pas de justice. Mais cette ville a aussi son lot de problèmes. Oh. Commissaire Gordon ? Officier, j'avais rendez-vous. Est-ce que tout est prêt ? Ouais, pardon. Affirmatif. Merci, officier. Bon appétit ! À votre service. Un beignet. Oh ! Normalement, le département ne fait pas appel à des énergumènes tels que vous, disons. Mais vous êtes le seul expert que l'on connaisse en la matière. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Le suspect a été appréhendé lors du cambriolage d'un labo. Ce laboratoire appartient à l'un de vos anciens collègues, Monsieur Luthor, le professeur Ivo. Le professeur Ivo ? Je ne vois toujours pas en quoi ce cambriolage me concerne. Notre bon professeur et vous collaboriez sur le projet Amazon. L'androïde capable de s'approprier tous les pouvoirs des super-héros. Si notre suspect est doté des mêmes capacités, il pourrait bien devenir une terrible menace. Si vous coopérez et que vous nous dites si le risque est réel, nous pourrions envisager de réduire votre peine de 10 ou 15 ans. Très bien. Voyez-vous, je n'ai que faire des super losers qui sèment la pagaille dans le monde. Où est-ce que tu as acheté ce costume ? Il n'est pas très loquace. Commissaire, quelqu'un m'a volé mes beignets et mon uniforme et... Tiens, les voilà ! Quoi ? Beignets ! Bonjour, merci. J'ai bien failli attendre. Fichons le camp d'ici. Oh. C'est le moment de s'éclipser. Suis-nous, le nouveau. Tu es avec l'ex-Luthor à présent, le plus grand criminel qui soit. Vous êtes sûr de votre coup? Dans le pire des cas, le nouveau fera une excellente diversion. Par ici, très cher. Nous serons bientôt sortis de ce cristal. Vous semblez oublier les lasers sur le bar la route. Relax, Mercy. Les commandes se trouvent à l'étage supérieur. Il nous suffit de trouver un moyen d'y accéder. Je crois qu'on a de la compagnie. Je déteste qu'on m'interrompe. Rappelons-leur à qui ils ont affaire.
bien sûr que je peux m'en charger. L'Explorer n'emploie que les meilleurs. Je vais régler ça en un rien. Ça ne présente aucune difficulté pour un génie de ma trempe. Grundy revient. Mets-la en sourdine, Grundy. Tu fais un boucan réveiller les morts.
C'est pas mal. Ah, mes anciens partenaires de crime. Content de vous compter parmi nous, Cheetah. Donnez. J'espère que t'as un plan solide pour nous faire sortir d'ici, Luthor. C'est qui, ça? Un ami pour Grundy. Excusez-moi, mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux de filer? Exact, ma chère. Nous devons activer l'ascenseur pour atteindre notre destination. Hein? Ça a marché. Allons-y. Est-ce qu'on s'enfonce dans la prison? Je croyais que l'idée de l'évasion, c'était d'en sortir. Ouais. Même Grundy, c'est ça. Patience. Vous comprendrez bientôt.
Nous y sommes. Devant vous, dans cette cellule d'isolement, se trouve notre cellule. L'ami de Grunty fait quoi ? Les éclairs. Le nouveau les a absorbés. Comment est-ce possible ? Acquisition de surpouvoir. Comme le projet Amazon du professeur Hayden. Voyons si on peut faire bon usage de ces nouvelles capacités. La sécurité. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Luthor ? J'aime pas agir sans savoir comme ça. Arrête de te plaindre, Cheetah. Tu verras quand ce sera ouvert. Ça ne présente aucune difficulté pour un génie de ma trempe. Voilà, ça c'est fait. Plus qu'un à faire sauter. Grundy veut savoir ce qui est dedans. Thank you.
bravo à tous. Super, on va peut-être enfin avoir des réponses. Plus un geste, Luthor. Ah, Superman. Tu n'as pas des chansons à chanter autour d'un feu de camp Boy Scout? Et toi, t'as pas de la vaisselle à faire dans les cuisines de Stryker, tête d'œuf? Je coupe les légumes maintenant. Félicitations. Allez, retourne dans ta cellule. Non, pas cette fois, Superman. Je crois que tu connais déjà... Metallo! Oh, il est trop instable pour sortir de sa cellule! Instable pour toi, peut-être. Son cœur de kryptonite ne me gêne pas le moins du monde.